Jamais on ne veut, jamais on ne verra. La famille tortue courir après les rats. Le papa tortue et la maman tortue et les enfants tortue iront toujours au froid. Tout le monde va trop vite, tout le monde va trop fort. Dans sa maison en grand cerf, regardez par la fenêtre, un lapin venir à lui et frapper ainsi. Cerf, cerf, ouvre-moi ou le chasseur me tuera. Lapin, lapin, entrez bien, me serrez la main. Cerf, cerf, ouvre-moi ou le chasseur me tuera. Lapin, lapin, entrez bien, me serrez la main. Beaucoup de chansons que je connais, oui, mais je ne sais plus quelles. Bon, alors, je connais un flic-floc. Ensuite, je connais Oh, mais je me souviens plus, mince. Est-ce que c'est ton premier disque ou t'as l'habitude? J'ai l'habitude parce que... Non, c'est mon deuxième disque. Un lapin venir ainsi et frapper ainsi. Cerf, cerf, ouvre-moi ou le chasseur me tuera. Lapin, lapin, entrez bien et frapper. Et frapper ainsi, ouais, ce serait bien. Hein. On va manger maintenant? Ouais, j'ai faim, moi. Ouais, d'accord, d'accord. C'est bien. Ah, c'était là. Au clair de la lune, Pierrot répondit : je n'ai pas de plume, je suis dans mon lit. Va chez la voisine, je crois qu'elle y est. Car dans sa cuisine, on bat le briquet. On peut aller au parc. Oui, on va aller. C'est très bien, Paul. Super. Voilà. Comme ça, tu vois plus me filmer. Écoutez Lire présente Les bêtises du petit Nicolas de Sempé et Goscinny, lu par Benjamin Laverne. J'avais la musique de la langue
vraiment dans la tête, là, en retombant dessus, en le redécouvrant, et j'avais l'impression de le connaître depuis très longtemps. Donc j'ai sûrement grandi avec lui. Je sais pas si c'est moi qui ai lu ou si on me l'a lu. Peut-être qu'on a commencé à me le lire, que ma mère a commencé à... J'ai pas mal pensé à elle, là, en relisant Les bêtises du petit Nicolas. Donc je pense que c'est elle qui a commencé par me le lire, le petit Nicolas, et qu'après, je m'y suis mis tout seul. Qu'est-ce que tu m'as dit ? M'a dit maman. Moi, j'étais drôlement fâché. Je sais pas si c'est fait exprès, mais qu'on s'identifie quand même pas mal au narrateur, au petit Nicolas, qui paraît être celui, pas forcément le plus lisse, certainement pas, mais peut-être le plus normal, je sais pas. Alors j'ai dit à maman ce que je lui avais dit, et maman m'a dit, puisque c'est comme ça, pas de glace aujourd'hui. Moi je rêvais de m'appeler Nicolas quand j'étais petit, c'est marrant. J'avais un lapin en peluche que j'ai appelé Nicolas. Alors là, c'était drôlement terrible. Parce que tous les jours, à 4h30, il y a un marchand de glace qui passe devant la maison avec sa petite voiture et une sonnette, et maman me donne des sous pour m'acheter une glace. Et j'avais un petit côté agneau aussi. Alors, je pense pas que je pleurais comme lui, mais apparemment, j'étais un peu faillot, quoi. Alors moi, je suis sorti de la maison, je me suis assis dans le jardin, et je me disais que j'en avais pas envie de leur sale glace, qu'elles me faisaient rigoler leur glace. C'est hyper intemporel, en effet, ça traverse les années, et ce qui fait que ça a toujours autant de succès, je pense, c'est sûr. Ça... Qu'est-ce qui se passe ici ? A demandé papa. On égorge quelqu'un ? Il se passe, a dit maman, que ton fils a été très méchant et désobéissant avec moi, et que je l'ai puni. J'étais heureux de retourner dans cette ambiance-là. C'est très agréable à lire, en tout cas. Voilà. Le sang dessinait sur le tissu du tablier une large tache rouge dont la forme rappelait la carte de Madagascar. Ironie du sort, le mot « définitif » était brodé juste au-dessus. Jamais le salon de coiffure n'avait aussi bien porté son nom. Monsieur Edgar semblait dormir, comme sa cliente, mais lui ne rêvait à aucun biquet. Il ne rêvait plus à rien du tout. Il était mort. Jusqu'à ce jour, la vie avait heureusement préservé Jefferson. Il n'avait jamais été confronté à une émotion aussi forte, si bien que sa réaction fut spectaculaire. Il commença par suffoquer, puis il émit un bruit étrange qui faisait à peu près qu'on pourrait traduire en bon français par « Fichtre, voilà un spectacle tout à fait étonnant ». Il continua par qui signifiait à peu près « Il semblerait que cette personne ne soit pas décédée d'une mort naturelle. Selon moi, il s'agirait même bel et bien d'un meurtre. » Il conclut par un long et plaintif dont le sens approximatif était « On a beau dire, ça fait quelque chose de voir ça. » J'aimerais bien un jour qu'on fasse un Paco et le punk, mais j'adorerais. C'est hyper intéressant. Voilà. Parce que je suis amoureuse de Joe Strummer. La musique m'inspire des histoires. Des images, des couleurs, et je pense que c'est une des sources d'inspiration les plus fortes que j'ai depuis l'enfance. Je suis Magali Lehuche, je suis autrice illustratrice. J'ai très très tôt aimé dessiner et très naturellement j'ai eu envie de faire des livres jeunesse. Parce que j'y trouvais une certaine liberté entre l'image et l'histoire. Claire Babin m'a un jour appelé pour me proposer d'imaginer un personnage qui ferait découvrir aux enfants des instruments de musique, des ambiances et des styles musicaux. Donc j'ai fait un petit casting, en fait. En général, c'est comme ça que je procède. Je cherche le personnage, quoi. Trouver quel animal ce sera, quelle couleur, comment il sera habillé. Enfin, ça me plaît pas mal de faire ces recherches-là. Et j'ai dû tout d'un coup me dire, c'est lui, c'est Paco. Je
me sens complètement libre, et c'est ça qui me plaît aussi dans les Paco, de donner, de mettre des références. Forcément, la musique s'inscrit dans un contexte historique, géographique, et ça, ça me plaît beaucoup de creuser, de mettre des petits indices et des petites références en images pour que ça parle aux parents et puis que ça donne envie aux enfants d'aller voir plus loin, voilà, de pousser à la découverte. Pour le dernier Paco fait sur cinéma, il fallait que ça évoque des styles de films. C'est quand même des choses qui parlent aux enfants. Et sans pointer de manière très précise des films en particulier, c'est vrai que l'univers du western ou l'univers de un peu science-fiction, c'est des choses qui peuvent aussi évoquer l'envie de jouer, et du coup de découvrir, des classiques. You're a crazy girl. I'm a crazy guy. Commencement, j'entends leur fantaisie, j'entends l'enchaînement de couleurs et de bruits. J'entends sortir de mon cœur, de mes nuits, de mon ombre légère, ces esprits solidaires. Ce sont mes rêves qui m'appellent, ce sont eux qui m'émerveillent. Ils sont nés dans mon sommeil. Suivent le jour, la joie tout autour. Tous mes rêves chantent, tous mes rêves chantent, tous mes rêves chantent, tous mes rêves chantent. Ils ne penseront non jamais mes rêves, non, que je n'ai pas les épaules taillées pour l'événement. Ils me soutiennent vraiment, sans trêve. Même quand le bonheur fait la grève, je n'ai pas de personne, pas d'amis qui soient plus fidèles. Pour qu'ils rappliquent vie, ça me suffit que je les appelle. Je les aime grands comme on aime ceux qui vous entraînent. Je les garderai proches, toujours un dans ma poche. Éclatant, ils fredonnent, ils susurrent, ils battent la mesure. Au commencement, j'entends leur fantaisie, j'entends l'enchaînement de couleurs et de bruits. J'entends sortir de mon cœur, de mes nuits, de mon ombre légère, des esprits solidaires.